Salut Thibaut. Ça va Didier? Ça va. On arrive vers l'engin. Ouais. Vers le 1000 Scrambler S qu'on t'a préparé avec une petite surprise. Ah bon? Léger. Hâte de découvrir. Ouais. Hâte de découvrir. Je le sens bien. On a fait le travail comme il faut, tu vois. Ouais. On a mis la bâche. Ça fait pro. On a bâché. Avec le nom. Donc voilà, ça va être le. Eh ben pour sceller notre partenariat, je sais pas s'il y a besoin de sceller quelque chose. Ça fait, depuis 2018, on y est depuis un moment quand même. Voilà, ça fait l'occasion de marquer avec la collaboration de Polaris aussi. Donc on va pouvoir te remettre ton petit jouet et puis tu en es le propriétaire pour une année en espérant que ça dure très très longtemps. Très bien parti. Et puis voilà, on va le découvrir ensemble. Hâte de découvrir ça. Ah oui, ah oui. Ah ouais, pas mal, ouais. Putain. Waouh. Quelques petites. Ah ouais, non, là, c'est incroyable. C'est vrai. Avec la corde ton partenaire aussi, Puma. Ouais, non, là, on a fait un truc pas mal, je crois. Waouh. Ouais, là, c'est cool, un peu. Là. Ouais, c'est à l'image de l'année qui arrive, quoi. C'est cool. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, là c'est. Scrambler 1000S, donc ça c'est 2023, 2024 arrive, mais c'est vrai que ce bleu électrique là, ça représente. Ça rend très très bien, ouais. Ça représente bien ce qu'on voulait faire et le kit déco, ben. Ouais, non, c'est. Il est magnifique, bah top. C'est top. Putain. J'ai cherché le perchiste. Il est là, il y en a un là. Ah oui. Putain, non, c'est incroyable. Là, il est là. Ma classe. Petit beau collier. Ah ouais, là, pas mal. Pas mal, pas mal. Et ben, un grand merci à Quad Action et à Polaris France, du coup. C'est. Là, on a fait fort. Hein. Ouais. Ouais. Feras attention. Promis. Tu seras gentil avec. Promis. Avec le matériel. Promis, promis. Bon, Thibaut, allez, raconte-nous un petit peu cette. Pré-saison avant les JO, hein, c'est une drôle de saison j'imagine pour toi. Donc raconte-nous un petit peu cette pré-saison. Ben ouais, donc c'est en 2024, ça y est, c'est l'heure des Jeux Olympiques à Paris. C'est une année assez particulière parce que l'objectif il est un peu énorme, il fait un peu peur. J'ai la chance d'être déjà qualifié, donc c'est quand même une année. Un peu particulière puisque j'ai pas à me concentrer à essayer de décrocher une qualif. J'ai juste à me préparer pour cet événement, donc j'ai plutôt hâte d'être. Ça c'est après le championnat du monde. Ça s'est fait au championnat du monde à Budapest, comme je suis dans les 5 premiers, la ça, fédération. Pas à ça que j'avais eu l'information comme quoi si j'étais dans le top 8 en finale, j'étais protégé pour les Jeux Olympiques, donc ça a été clairement l'objectif. D'accord. Et ça a été même mieux que ça puisque je fais 5 et je fais 5,90 ce jour-là. Ouais. Et physique? Bien, physique ça va bien. Écoute, y a des bons indicateurs. La saison en salle est bien partie. Là, j'ai fait 2 fois 5m82. Là, j'attaque la deuxième partie de saison qui est la plus importante. Donc, je me sens bien. J'ai hâte que ça arrive. J'ai les championnats de France là, qui arrivent. L'objectif, c'est de gagner et ensuite préparer au mieux les Jeux cet été. Quoi. On en a discuté tout à l'heure ensemble, mais tu vas pas avoir un arrêt là juste avant les JO, c'est pas à bloc, mais c'est une saison jusqu'aux JO. Il y a une petite coupure, enfin il y a une coupure entre la saison hiver et la saison d'été, mais ça va être de l'ordre de 10 jours. Et derrière, c'est rattaquer la préparation à l'entraînement jusqu'à début mai, jusqu'à mi-mai, jusqu'aux premières compétitions. Et ensuite. Ça change quelque chose par rapport à une saison précédente ou... C'est un peu plus lourd, c'est un peu plus court, le temps de repos est un peu plus court et on s'autorise moins de repos. Et effectivement, ouais, là je vais couper 8-10 jours et derrière, ça sera l'heure d'activer un peu le mode turbo. Quoi. Voilà. Bon, c'est cool. On va peut-être donner deux mots de notre partenariat. Ça fait bizarre de parler de partenariat. Partenariat. C'est cool. On marque un truc. C'est une belle histoire. Entre toi et nous. Mais bon, on te connaît depuis tellement longtemps que. Pour la petite histoire, pour les gens qui connaissent pas l'origine de ce partenariat, j'avais envoyé un message à Didier un jour où on a vu cette discussion en disant le jour où je serai fort. Entre guillemets, est-ce qu'on pourra faire un partenariat?
Et tu m'avais toujours dit, bah oui. Et le jour où j'ai fait 5e au championnat du monde junior, je t'avais envoyé un message en te disant, bon Didier, j'ai fait 5e au championnat du monde junior. J'avais le permis, donc j'étais dans j'avais les conditions pour pouvoir conduire un quad. Et j'avais dit, est-ce qu'on peut faire un partenariat? Et tu m'avais dit oui, avec grand plaisir. Et du coup, on avait décidé que le partenariat, ce serait entre nous jamais financier, puisque ce n'est pas ce qui nous intéressait, mais que ce serait la mise à dispo de véhicules de temps en temps, quoi, quand l'envie nous prend. Et du coup, là, on a officialisé ça cette année, avec en plus Polaris France qui s'est mis dans la boucle. Donc c'est une belle manière de... Je trouve que c'est bien. Alors, nous, en plus, on a eu l'honneur d'avoir cette récompense-là en 2023. Je trouve que ça boucle la boucle. Donc, c'est ça. J'espère qu'au mois de... C'est quand ? Août. 5 août. 5 août. J'espère que fin août, on aura de quoi arroser. On arrosera tous ensemble. Avec grand plaisir. Grand plaisir de te voir là, où tu en es. Je pense que le travail y est pour beaucoup. Ça bosse. Et surtout, c'est ce que tu as dans ta tête, quoi. C'est ça, c'est... Moi, je vais me rappeler d'une chose de toi, c'est à Grenoble quand même, quand j'étais allé te voir à Grenoble là, sur ce à la perche, là, où c'était un petit concours, et la arme que tu avais mis à passer ton troisième essai, j'ai dit, voilà, ce gamin, il est un petit peu particulier. Et je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus, et je pense que ta réussite au championnat du monde, elle y est beaucoup dans ta tête. Oui, complètement. Et je pense que quand tu dis les choses, tu fais les choses, donc c'est... Ouais, tu représentes une belle philosophie, je trouve que t'es quelqu'un d'intéressant. C'est gentil. Et Quad Action, c'est mon premier partenaire dans ma carrière en 2018. C'est le premier partenariat que j'ai signé avant tous les autres. Donc c'est un peu symbolique aussi pour moi aujourd'hui. Et c'est une belle histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est cool. Merci Thibaut pour ce petit moment passé ensemble. On te souhaite beaucoup de plaisir avec cette machine-là. Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de kilomètres quand on va la récupérer, mais ça fera une belle occasion. Si quelqu'un veut se mettre sur les rangs sur l'occasion, c'est un véhicule qu'on reprendra nous au mois d'octobre pour te donner le nouveau modèle, en espérant qu'au lieu de mettre des graffitis, on mette une médaille à la couleur. et puis on te souhaite beaucoup de, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup de chance pour la suite. Et puis on va te suivre avec les réseaux, nous on va te suivre un petit peu de partout, et on donnera des nouvelles régulièrement de tes performances. Merci à toi Thibaut. Merci à vous.